pour ici votre ex-premier ministre. Premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Allez, allez, viens ici, là. Je parle à la radio, viens ici. Alors, vous écoutez jusqu'à 16h, RH positif. Viens-t'en, Aline. Sauvons Shawinigan. Ici Norman Lester. Comme vous le savez, je ne suis plus à Radio-Canada. Aujourd'hui, je suis journaliste, recherchiste, perchiste et anarchiste. J'ai toujours aimé prononcer ce mot « anarchiste ». Je suis présentement à la conférence de presse du représentant syndical, M. Rambo. Ça brasse en petit péché de ce temps-là dans la cabane. Bon, il faut comprendre que ce sont des syndiqués. Je vous rappelle les faits. Des journalistes mieux payés que moi ont soulevé des agissements malveillants et sournois de la part du représentant de la FTQ à la Romaine. Et là, je ne parle pas de la salade créée avant Jésus-Christ par un certain Jules César. Non, non. Ce Rambo des temps modernes ferait l'ordre et le désordre. On apprend que dans le monde de la construction, le langage utilisé peut être parfois grossier, voire obscène. Selon Rambo, il ne faut pas s'en offusquer, car ça marche de même. Oreille sensible, s'abstenir. Hey, ta... Qu'est-ce que tu fais ici, mon hoste? T'es pas dans le bon local, sacrament. Je vais te coller une hoste. Claque sa margoulette, mon tabard. Vous voyez, le français est pas mal malmené sur la côte nord. Molière doit se retourner dans sa tombe en entendant ce genre de laxisme indûment utilisé pour formuler une question si simple à la base. Je vous propose de réécouter Rambo, mais cette fois avec une syntaxe correcte et parfaitement adaptée pour se faire bien comprendre par son interlocuteur. Pardon, mon ami, aurais-tu la gentillesse de m'expliquer le pourquoi de ta présence sur mon territoire? Je constate que tu n'es pas accrédité dans mon local et que cela me force à penser que tu mériterais une solide gifle sur ta jolie mâchoire. De quoi tu parles, le fif? Vous constatez avec moi que l'utilisation d'un bon français amène une prise de conscience à l'interlocuteur. Alors, les jeunes, en terminant, prenez bonne note que dans vos rapports avec les autres, l'utilisation d'un bon français vous assure de bien vous faire comprendre. C'était Norman Lester dans le fin fond des bois. Sur ça, je vais rechercher ma perruque. Stay tuned. Restez là. We'll be back. After this. Cool. Nous revenons après ceci.